Donc je retermine. Donc je bossais dans le 69. Et vous savez, lorsque vous vivez dans des régions qui m'engoulent, Rhône-Alpes, ou là, vous avez directement en chaîne terrestre et la chaîne OL TV. Donc, sauf les matchs qui ne sont pas retransmis, mais vous avez l'image du match qui est en train de se jouer avec le commentaire radio. Ou dès que la période, Belhaj était à Lyon, il avait signé à Lyon, c'était un contrat juteux. Lyon jouait la Ligue des Champions, Belhaj a joué contre Barcelone, il est rentré comme remplaçant, il a joué au Camp Nou comme remplaçant. Moi, je suis fou de Barcelone, donc j'avais tout. Je crois que j'ai toujours. Je dois chercher dans mes Divix. Je crois que j'ai le match Barcelone-Lyon. Daouchkar al-Mohim. Je crois qu'ils ont perdu. Il y avait Benze 5-2, je crois. Oui, mais bon. Et dans la Kimaoum TV, tout. Donc, il y avait des émissions, tu vois, dans cette chaîne pour remplir le programme. Donc, il y avait une émission. Winiji, le manager, Lacombe, qui s'occupe toujours d'ailleurs, c'est le bras droit d'Olas, de Jean-Michel Olas, qui s'occupe des recrutements, de dénicher les perles rares. Donc c'est lui qui a déniché Essien, qui a déniché Diarra Mamadou, qui a joué au Real, qui est toujours au Real, qui n'a pas été vendu à présent. Thiago, qui a été transféré à la Juve, Cassapa, Chris, quoi d'autre? Énormément de joueurs qui a déniché Keita de la Côte d'Ivoire, l'Erah, le Galatasaray, mais il est parti de Galatasaray via Lyon, il est venu de Lille. Il a fait une saison extraordinaire à Lille. Surtout un match contre le Milan AC, donc voilà. Donc, on a ramené Guy Lacombe avec l'émission. On lui a parlé de plusieurs cas, comme le cas de Wiltord l'année passée. L'année passée, Wiltord a eu des soucis avec la police et il a sali un petit peu l'image de l'Olympique Lyonnais, donc il a été remercié. Voilà, c'était simple comme bonjour. Donc, ça ou à la Belhage. Galomaka, je vous le dis, mes amis, mot par mot. Galomana, j'ai eu une entrevue ma Belhaj en tête à tête. Je lui ai dit que cette année c'est difficile. Lyon, elle avait gagné 7 fois de suite le championnat de France. Donc il y avait une équipe qui gagnait, une ossature en place, et Belhaj n'était pas Kimi Goulek titulaire indiscutable. Donc Ken un champion du monde, l'Italien, Ken un champion du monde en arrière gauche. Donc il prenait la place à Belhaj. Belhaj était plus jeune. Donc on enlève 3 ans. Belhaj était plus jeune, 23 ou 24. Donc il n'a pas patienté. Donc Belhaj a joué exactement, même pas 6 mois à l'Olympique Lyonnais. Après la discussion avec Lacombe, Gallo s'est dit, parce qu'il ne faut pas faire confusion, Ken Lacombe, l'entraîneur de Monaco, Ken Lacombe, Guy Lacombe, l'ancien joueur de l'équipe de France en 82 et en 78 au Kulchi, mais à Giresse, Trésor et tout. Donc, Gallo, tu as deux choix. Soit tu patientes cette année et peut-être l'année prochaine tu seras titulaire indiscutable. Soit, si tu veux plus de temps de jeu, on te prête quelque part ou là, on te vend. Le mec a été catégorique, je ne sais pas, il a été conseillé par qui ou là, mais il a eu de mauvais conseils. Il a préféré les sang et or, Lens. Donc, Lens, c'est un Jean-Guy Wallem. C'est un ancien libéro capitaine à Lens. Il a fait toute sa carrière à Lens. Donc il est parti à Lens. Et des fois la carrière d'un joueur se joue sur un coup de dé.
Donc Lens a rétrogradé aussi. Et lorsqu'on rétrograde, des fois on n'a pas besoin pour Aoud Boualem, avec la division 2 en France, pour Aoud faire une accession. Tu n'as pas besoin de d'un effectif, tu vois, un effectif qui m'a l'état B la D1. Donc la Super D2, ils ont eu besoin d'argent, ils l'ont vendu. Ils ont vendu Belhaj à Portsmouth. Parce qu'ils ont vendu Belhaj à Portsmouth, c'était une question d'argent. Parce que vous savez, à mes amis, Shibonda de Bastia, il a atterri à Tottenham. Hein, même fiage, Shibonda, Men Bastia, Portsmouth, Portsmouth, signifie Tottenham. Il a même figuré en équipe de France en 2006, l'équipe finaliste en Coupe du Monde. Pascal Tchibonda. Et tu peux trouver des joueurs qui vont de Gueugnon en D2 et qui jouent au Blackburn, qui jouent à Leeds. Parce que les salaires sont plus importants. Le niveau est meilleur parce que tu te frottes. Si tu joues par exemple en Première Ligue, en club qui met le camp en lanterne rouge, n'empêche que tu joues contre Arsenal, contre Manchester, contre Chelsea, que si tu as du talent, tu te fais. C'est tu... l'année prochaine, ou là, le mercato, ou là, tu signes par exemple, tu améliores ton. C'est ce que moi j'attendais de Belhaj. Vu qu'il avait fait un excellent match en Cup contre Liverpool, avec un but. Contre Pepe Reina, le champion du monde. Du côté droit, avec une bonne reprise de... Donc, Markelhom deux fois. Markelhom championnat, Markelhom la coupe. Et le but à la coupe, c'était phénoménal. Schär, le mec, il a dribblé tout le monde et il a marqué du pied gauche. Donc, moi, j'attendais de Belhaj. Je n'attendais pas qu'il signe à Arsenal. Je n'attendais pas, Belhaj, il signe Chelsea, là, Manchester, ou là, au Tottenham. Mais il pouvait signer, par exemple, à Everton. Il pouvait signer à West Ham. C'est des clubs qui ne rétrogradent pas. C'est des clubs qui peuvent jouer l'Europa League, hein, qui peuvent gagner la Cup. Et on voit Belhaj de Portsmouth, Rah Al-Sadd Al-Qatari. Moi, j'ai donné un titre à ma vidéo, j'ai dit, c'est sa fin de carrière. Donc, Belhaj est résigné. Dans 4 ans, Belhaj, il aura plus de 30 ans. Et je crois qu'il est sûr de jouer en équipe nationale. Donc, pour lui, c'est l'argent et l'équipe nationale. Je pense que Belhaj aura, tant que ça donne, restera en équipe nationale. Tant que cette politique de bricolage restera en équipe nationale, je pense que Belhaj aura toujours sa place parce qu'il n'y a pas d'arrière-gauche, il n'y a pas de d'arrière-gauche sophistiqué ou là Lille Abou qui met Belhaj maintenant. Voilà. Donc je pense que Belhaj, soit il a commis une erreur en signant un pré-contrat. Et n'oubliez pas aussi, j'allais vous ajouter quelque chose parce que les Mkhaloud Ali Yeshouya. Que Belhaj a été soigné à Sbitar, à Qatar. Donc, il a peut-être été influencé, etc. Donc, il a dû signer. Et il n'y a pas que Belhaj. Parce que je vais relancer un petit peu le débat. Et, Inch'Allah, mes amis, les youtubeurs spécialistes, Albola, t'as le football qui m'a rano, il nous éclaire. Kima Viva l'Algérie, Kima Djilou, Tosiamasr, Kima Mnanouk, qui est un fin connaisseur de football. Yakina la cote des joueurs algériens. Moi, pour moi, et c'est un point de vue perso, c'est que les joueurs algériens n'ont plus la cote. c'est simple. Hein. Quand tu vois les matchs que sort Mboulhi, Reyes, et qui signe à West Ham ou mais elle me signe hein, à 2 millions d'euros, que pour moi en Angleterre c'est des miettes, hein, c'est des miettes, ça ne vaut rien du tout. Un joueur comme Halish, je m'attendais qu'il signe, peut-être pas Arsenal, oui, mais qu'il signe au PSG,